C'est la nouvelle mise à jour, tech. On va voir. On va voir tout ça du coup, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Ouais, je le vois, il y a une mise à jour, customisation magasin, etc. Ok. On va voir tout ça. Putain, si ça me fait chier si j'ai perdu la. Ah, j'ai continué. Attendez, j'ai peut-être pas perdu. Attendez, attendez, on a peut-être une chance. On a peut-être une chance, les gars. Je vous affiche. S'affiche du coup de tac. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on a perdu? Alors, continuez. On l'a pas perdu, les gars. Oh putain. On l'a pas perdu, les gars. Ça recommence. On est dans le business, les gars. Ah oui, putain, oui, ça a changé, oui. Ah oui, effectivement, ouais, ça a changé un petit peu. Ah putain, les gars. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, les gars, hein. Alors, je sais pas si j'ai une meilleure qualité graphique, mais Et Julie, attendez, on va regarder un petit peu au niveau des stams, etc. Ah oui, t'étais pas mal avancé. Bah, Alors, c'est pas pour me vanter. C'est pas pour me vanter, mais sur Supermarket, les gars, dans tout le Twitch, etc., légitimement, on était le premier à arriver au niveau 100. Je dis bien légitimement, d'accord? C'est-à-dire sans tricher, sans truc du genre. Donc, les étagères sur le PC. Alors, on va regarder. Gestion, qu'est-ce qu'on a à grandir? Donc, ouais. C'est quoi? C'est 8300. C'est 83 000? Ah oui, putain, oui, c'est vrai qu'il y a des agrandissements. Embaucher, caissier, voilà, licencié, machin, etc. On avait déjà tout ça. T'inquiète, tu peux te vanter. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Customisation, voilà. Modifier le magasin, par exemple. Modifier. Raptors Market. Tac. Raptors Market. Et là, on peut changer la couleur. C'est quoi? C'est la couleur de l'enseigne qu'on change? Ah, couleur du fond, voilà, c'était ça. Ok, on peut mettre rouge comme ça. Et couleur du texte, on peut mettre. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Modifier l'entrée, voyons voir. Ah, tu peux. Ok. Eh ben, on va la mettre plus au milieu, l'entrée. Ça sera mieux. Ça sera mieux comme ça. Ok. Ah, prochainement ça, ok. Stockage, donc là on peut améliorer le stockage. Facture, ok, licence. Marché. Couleur. Peinture. Ah, on peut acheter des peintures. C'est pour peinturer l'intérieur, ça, les gars? Sol. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ouais, c'est vraiment pour peinturer tout ça. Fourniture, voyons voir. Ah ouais! Étagère d'angle, etc. Mais c'est pas mal en vrai, c'est super. Ah bah c'est cool, hein. C'est cool vraiment ce qu'ils ont fait. Ah c'est cool, en vrai c'est vachement cool. En vrai c'est vachement cool. On a déjà une première cargaison qui a été faite. Attends, on va la commander. Sol et tout ça, on peut changer le sol. Je vais commander, je vais voir ce que ça donne. Comment on était déjà les licences? Attends, est-ce qu'il y a des nouvelles licences? Gestion. Agrandir licence. Licence, il y a pas de nouvelle licence, les gars. C'est dommage. C'est dommage, il n'y a vraiment pas de nouvelle licence. Bon. Ok, ils sont en train de tout mettre. Ok, ils sont en train de gérer la commande et tout ça. Ok. Agrandir? Tu veux dire agrandir? Je peux pas, c'est 83 000. 83 000, c'est beaucoup, hein. Là, par contre, il aurait pu faire un truc. Ah, et ça me met combien il y en a en stock, je crois. Non, c'est combien tu en achètes? C'est 16, ok. Il aurait pu faire un truc, par contre. Et vraiment, il l'a pas fait. C'est vraiment dommage, en fait, qu'il l'ait pas fait. Bah, c'est mettre tout simplement, sans devoir passer par un tierce mode. Et le stock! Le stock, les gars! C'était si compliqué de faire un truc où tu voyais ton stock sur l'écran? Il a abusé. Alors. Ah oui, d'accord, du coup, faut que je déplace la truc.
Alors ça, par exemple, c'est pour mettre le sol. Ok. Ah oui, mais d'accord, ça se fait comme ça. C'est ton stock qui est affiché. Non, il n'est pas affiché, justement. Le stock, il n'est pas affiché, justement. C'est le nombre de produits que tu as dans la commande qui est affiché. Et ouais, c'est dommage parce que le stock, il est pas du tout affiché. Le stock est pas du tout affiché, donc du coup, bah, t'es toujours obligé de te faire, comment dire, soit de calculer, soit de calculer, soit de... Ouais. Par contre, ouais, il y a des nouvelles étagères et tout ça, il y a des trucs qui sont pas mal. Putain, faut qu'on revoie un peu toute l'organisation, en vrai. Fait qu'on revoie... Putain, et mon magasin était vide de chez vide, hein. Oh. Aïe, aïe, aïe. C'est vide de chez vide, en vrai. Ok, et ben on va faire toute la partie froide. Parce que le stock, ouais, non, il est pas affiché, en fait, c'est... Là, tu vois 12, mais c'est marqué le nombre, comment dire? C'est le nombre de produits qui est livré dedans. Et ouais, le problème, c'est que donc du coup, je suis obligé de repasser dans les rayons et de tout me retaper manuellement comme je faisais à l'époque. Ça c'était relou, par contre. Là, par exemple, il faut plat préparé, Pripyat, fromage, etc. Putain, avant j'avais tout plein, j'avais les réflexes là, maintenant je les ai plus là, vraiment, je les ai plus. Au pire, ce qu'on va faire, au pire, ce qu'on va faire, tac, 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 tac. On va faire un ravitaillement de masse. Tac, 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 parce que j'ai pas envie de me prendre la tête là, vraiment. Je vais tout racheter, en fait. Je vais tout racheter et comme ça on va s'organiser au niveau du stockage, etc. On va s'organiser au niveau du stockage et tout ça parce que sinon ça va trop me faire chier, honnêtement. Je suis déçu qu'il n'ait pas mis des nouvelles licences par contre. Vraiment, là, les licences, je suis vraiment très très déçu. Je suis déçu qu'il n'ait pas mis des nouvelles licences. C'est très dommage, mais bon. Faut tout que je réorganise en fait. Je vais tout réorganiser au niveau des rayons, etc. Faire un truc assez propre. Ouais, c'est pour le carton, ouais, c'est-à-dire c'est le nombre de produits que tu as à l'intérieur en fait. Ouais, t'inquiète, Vent, je connais ce jeu, je connais que trop bien. Je connais que trop bien. Ça en fait des produits achetés, hein. Là, je recommande de tout. Hop, 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 hop. Alors, comment ils vont gérer du coup? Comment
Comment ils vont gérer? Comment ils vont gérer? Alors les gars, est-ce qu'on rénove tout le magasin? Est-ce qu'on rénove tout? La qualité graphique, elle est belle, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est belle, hein. Avec le nouveau PC, ça rend super bien, hein. Putain. Je vais juste aller, le temps qu'il décharge des trucs, je vais juste... Je vais juste vider la clim, et puis on continue. Tac, je regarde juste. J'ai le stream deck qui marche une fois sur deux, ça fait plaisir. Ouais, putain, c'est vrai. Ah oui, il va se bloquer. Bah, c'est bien qu'ils sont pleins. Du coup, tu fais quoi? Tu restes comme un con avec ton carton? Les racks sont pleins dans le stockage. Ok. C'est quoi? Tu restes comme un con avec ton carton en fait? On va les aider un petit peu parce que sinon, il y a encore demain. Ok, on est bon. Alors, on va organiser un peu mieux la réserve. Ici, ça va tout ce qui va être frais. Donc, jus de pomme, etc. D'accord? Chips, hop. Tac. Putain, on a beaucoup de mise à jour à faire. Hein. Au niveau du magasin, les gars, c'est... Ok, tout ce qui va être produit d'hygiène, on va y mettre ici à l'entrée. C'est vrai que les... Qu'est-ce qu'il a? Il m'a pété un câble. Je regarde juste un truc, les gars. Le stream, il fonctionne ou il fonctionne pas, les gars? Vous pouvez me dire ou quoi? J'ai l'impression que la cam, elle a bugué. La cam, elle a bugué, c'est sûr. Ok, la cam, elle a bugué. Ok, super. Alors, activé. Ok, bon, la cam. What the fuck? Ok, la cam est revenue. Cam est revenue. Est-ce que le stream est là, les gars? Le stream est là, on est d'accord. Hein. Ah, le stream est là. Par contre, j'ai plus de son. Attends, quitter vers menu. Sauvegarder. On va redémarrer. On va redémarrer, c'est pas normal. Voilà. Pendant un moment, on a du son. Un, deux, un, deux, ouais, ok, on a du son. Ok. Alors tout ce qui va être livre, hygiène, etc., on va y mettre là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est hygiène. Tac, on va y mettre juste ici. On va essayer de s'organiser le plus possible. Ça, c'est hygiène aussi, donc ça sera là. Ça, c'est aussi hygiène, on va mettre à côté. Tac. Et comme je disais, informatisation du stock, ça aurait été super. Ça aurait été super qu'il fasse ça, mais...
Ok, jus de pomme ici. Alors, tout ce qui va être bière, tout ça, on va y mettre. La bière, on va y mettre là. Tac. Faut que j'essaye de retenir, d'accord? Faut que j'essaye de retenir vraiment qu'on soit organisé, parce que si on n'est pas organisé, c'est pas la peine. Tout ce qui est bière, boisson. Boisson. Non, on avait dit frais. Frais, on va mettre là. Frais, on va mettre là. Hop. Ça va être un petit peu long au début, les gars, les temps que je vous remette tout. Le clean, c'est ici. Normalement, j'ai tous les produits. La bière. Là. Hop. Le sucre. Tout ce qui va être sucre et tout ça, on va le mettre ici. Ça, on va le déplacer. On va le mettre ici. Du coup, je vais enlever l'étiquette. Tac. Hop là. Ça va être tout ce qui va être frais ici. Alors, tout ce qui est condiment. Condiment, 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 on va y mettre là. Ça, c'est quoi? C'est frais. Ça, c'est du congèle. Donc, hop, on va mettre là. Ça, on va y mettre là. Voilà. Parce que là, comme il y a les stockers, ils vont s'occuper des trucs plus. Voilà, quoi. Je vais regarder un truc. Il y a quelqu'un qui peut me répondre, les gars, s'il y a toujours, si on est toujours. Si c'est bon ou pas? J'ai tout mon choix de stream et tout. Ouais. Alors, papier de toilette, donc du coup, ça va être là. Bouteille d'eau. Bouteille d'eau, c'est quoi? C'est au frais. On va y mettre là. Hop. Ok, tout ce qui est gâteau et tout ça, on va mettre là. Ça, c'est du frais. Il y a trop de trucs. Faut que j'agrandisse la réserve, je pense. Faut agrandir la réserve, à mon avis. Pâte. Excusez-moi. Faut que j'agrandisse la réserve, moi ça sera le mieux. Faut vraiment qu'on prenne une grande grande réserve, comme ça au moins. Ouais, lui il me dit, les cartons sont pleins, mais oui, mais. Espèce de cognos. Tout ce qui est miel. Et là, on va le mettre, je sais pas. Bon, attends, je vais regarder si on peut pas agrandir la réserve, parce que voilà. Salut toi la femme, toujours, 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 et toi le pot. Alors, agrandir, voyons voir. Agrandir, c'est la réserve que je voudrais agrandir. Ah attends, c'est peut-être pas là. Stockage, c'est ça. Ok, tac. Ça aussi, alors cette mage, tu en penses quoi? C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, mais il a oublié des choses pour moi, tu vois. Franchement, pour moi, il a vraiment oublié des choses. Là, tu l'as plus, Irox, hein, c'est normal. Tu sais, comme la numérisation du stock, ça, il aurait pu se permettre de le faire, tu vois. Et non, il l'a pas fait. C'est très dommage, quoi. C'est très dommage, c'est voilà, c'est. T'es encore obligé de passer par un mod pour pouvoir avoir ton stock sur le PC. Il a rajouté comment dire, des articles, de la customisation et tout ça, c'est sympa. Sympa. Après, bon, c'est pas non plus. Tout casser non plus, quoi. Ouais. Après, cette match est clean, quelques trucs, mais ça arrivera par la suite. Ouais, c'est sûr. Alors. Mec. Voilà, on a vendu ça. Ça, on va revendre. Ah, je suis en train de tout réorganiser, les gars. Ça va prendre un peu de temps. Donc, on a combien de rayons? Attendez, on a combien de rayons? Donc, on a le frais. Le frais, il nous faut tout un truc là, comme ça, là. De frais.
Là, toute cette partie-là, je vais le mettre, ça va être le frais. Ça, je vais le déplacer. Pour l'instant, je vais le mettre, hop. Je vais le mettre comme ça. Toute cette partie-là, ça sera le frais. Mon équipe est complète, donc ça va aller plus vite. Espérons, c'est bon, espérons. Espérons, ça pourrait être cool, quoi. Ok, tac. Voilà. Tac, 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 tac. C'est bon, toutes les textures du jeu. Pourquoi ça? Pourquoi ça Comment ça, trop taper toutes les textures? Tac. Ok, donc le frais, ça va être toutes ces étagères-là. Toutes ces étagères-là, c'est réservé aux frais. D'accord? On retient, les gars. Tout ça va être réservé aux frais. Ici, ça va être réservé tout ce qui va être chips, machin, enfin tout ce qui va être étagère normale, non réfrigérée. Bah t'as plus de texture avec les mâches qui sont sorties. Tu veux dire, mais ouais, tu veux dire, c'est-à-dire. Tu fais quoi avec les textures? Hop, tac. Tac. T'as les marques des françaises. Ah ok, d'accord, donc tu textures les marques françaises. Ok. Hop là, donc là on est pas mal. Il nous faudrait combien? 1, 2, 3. 3 étagères supplémentaires au minimum. 1, 2, hop. Ça se voit qu'heureusement qu'on avait des gros packs, mais faits, mais. Plus qu'à tout refaire, comme ça a changé. Ouais, bah oui, évidemment, ouais. En fait, il y a une différence, les gars, entre. Ah oui, d'accord, elles sont plus hautes. Ok, elles sont plus hautes. Bah ouais, vaut mieux prendre les grosses du coup. Mieux prendre les grosses étagères, les gars, du coup. Ok, eux, ils sont un peu en train de gérer un petit peu la. Je vais en prendre d'autres, je vais en prendre trois supplémentaires. Je vais en prendre trois supplémentaires. Eux, ils sont un petit peu en train de gérer. Ouais, t'as un étage supplémentaire. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Tac, comme ça. Ok, on est pas mal. Hop. Mettre comme ça. Ah, la réserve, elle va bien me servir, là, la réserve. Tac. Voilà. Allez les petits gars, là, il reste de la commande là. Vous n'êtes pas payé à l'heure. Bon, je regarde le freezer aussi, on n'a pas passé la commande de freezer. Le ok, je l'ai mis là. Ok. La couleur, je vais refaire la couleur aussi par la même occasion, mais c'est le truc, c'est que ça va coûter cher. Dirais la couleur des. Peinture, c'est quoi? On va faire. Quel style on peut faire? Noir et rouge, les gars, on va essayer de faire. Si tu mets des modes, comme ce que j'ai compris, tu passes par le mode fenêtre. Hop, mais c'est moi qui l'avais fait. Ouais, ça roule, ça roule.
Alors, on va essayer de faire noir et rouge. Donc là, c'est de la peinture. Quelle couleur? Peinture 16, c'est pas marqué la couleur. Juste là. J'essaie cette peinture-là. Cette peinture-là et peinture noire qu'il me faudrait. Ça serait celle-là. Hein. Je teste puis on voit. Je teste puis on voit. Les pots de peinture, ils sont où? Ça. Alors c'est pour pas tuer quoi. Ok. Attends. Ok, d'accord. Ah, peinture. Ça a coûté un peu cher de rénover. Hein. Ça a coûté un peu cher. Attention. Hop. La peinture, elle est où? Tac. Peinture rouge. Ça, c'est pour avoir un petit peu du rouge. C'est dommage qu'on peut pas. Ah, c'est carrément toute la façade qu'il faut faire. Non, pff, ouais, je pense. Je sais pas si on peut faire une. Attends, fais voir. J'essaye de faire un truc, hein. Moi, j'ai un mode qui dit combien il y a dans la réserve, mais. Ouais, je sais, je sais, je sais. Mais sauf que, comme je disais, j'ai changé de PC. Et en fait, j'ai pas remis les mods, j'ai rien remis parce que. Je veux dire, on va pas se le cacher, les gars, ça avançait pas énormément durant un moment. Ça avançait pas énormément durant un moment, donc du coup. Voilà, quoi. Genre, 1, 2, 3. Attends, on va faire. 1, 2, 3, 4. Hop. Ok. 1. 2, 3, 4. Attends, c'est bien. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça devrait être bon. Ok, celui-là. Parce que ouais, j'ai changé de PC pour pouvoir, comment dire, pouvoir vous proposer des streams un peu plus optimales, plus jolis à regarder, etc. Donc du coup, ouais, on a investi une grosse somme d'argent dans le PC. Voilà, comme ça au moins. Ok, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il nous faudra des packs d'eau, des trucs comme ça. Il nous manque des petites choses. Mais de toute façon, ils sont en train d'installer normalement. Fais voir. Tac. La farine. La farine, la farine. Est-ce qu'il y a un étagère? Est-ce qu'il y a une étagère pour la farine? Donc là, j'ai dit tout ce qui va être. Ici, ça sera tout ce qui va être. Alors, ici, ça va être tout ce qui va être. Comment ça s'appelle? Livre et condiments, etc. Ici, on va mettre tout ce qui est farine, bière, machin, truc du genre. Là, c'est le frais. Le frais, on va le mettre là. Tac, à la place de justement la farine, parfait. Là, c'est des livres. Donc là, on va mettre ici, parfait. C'est le temps que je reprenne les coups de main. C'est vrai que ça fait un petit moment. Le thé, hop. Livre. On peut pas mettre des pancartes marquées livre, etc. Tu sais, juste non, on peut pas. C'est dommage. Hein. Sucre. Tu sais, qu'on s'organise vraiment correctement, quoi. Parce que ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Sucre ici, tac. Ketchup, enfin sauce piquante. Sauce piquante, on va la mettre juste à côté ici. Voilà, on va être bien là. Livre de coloriage, donc les livres, on avait dit que c'était par là. Hop, on va le mettre là. Tac. Encore un livre. Voilà. Et ça, c'est pour moi. Et un autre livre. Ok. Ok, on est pas mal. On est pas mal. On va faire un petit tour dans les rayons. Qu'est-ce qui nous manque là? Donc là, ça sera des packs d'eau qui nous manquera. Dommage qu'on peut pas commander au fur et à mesure, mais bon, c'est pas grave. Pack d'eau. Pack d'eau. Ici, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait quoi en dessous? Attends, j'avais pas. Comment on fait pour s'accroupir? On peut pas s'accroupir? Bah non. On peut pas s'accroupir dans le jeu? Pack d'eau, des bières. Des bières en fût, ouais, qu'il faudrait un petit peu, ok.
sont où les packs d'eau, justement? Ça, c'est l'eau réfrigérateur. Ah non, c'est du lait. Des packs de lait, je crois. Je crois que c'était des packs de lait. C'est pas des packs d'eau, autant pour moi. C'est des packs de lait, tac. Hop, on va recommander. Voilà. Tac. Des pommes de terre aussi. Si vous voyez un petit truc que j'ai zappé, vous me le dites. De toute façon, faut que je refasse une commande du frais. Freezer. Ouais, pommes de terre. Tac. 1, 2. Ensuite, on va passer freezer. Allez hop là, je vous laisse gérer les petits gars, ils vont mettre tout en rayon. Ça devrait être pas trop mal. Où est-ce que tu vas toi? Quoi que tu mets? Les poulets, ok. Allez, on va commencer à ouvrir. On va voir un petit peu, je pense que cette journée ça va être un petit peu délicat. Cette journée elle va être un petit peu délicat étant donné que... Comment dire, on reprend un petit peu la main. Mais on va essayer de faire au mieux. Les pommes de terre, je pense qu'on peut en prendre un peu plus. Hein. Les pommes de terre, je vais en acheter plus. Parce que je pense qu'il y avait un truc aussi, ils avaient augmenté le débit de clients. Quoi, c'est des sushis ça? Les sushis, il n'y en a pas. Ah si, 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 ils ont bien rempli, ok. Donc on voit, ils pourraient mettre des étagères. Maintenant, on va essayer de s'occuper un petit peu plus de tout ce qui va être étagère en bout, etc. Comme ça, là. Essayer de mettre, quoi, tu sais, des étagères rondes pour voir un petit peu ce que ça donne. Essayer de faire un style assez sympa. Alors, voyons ce qu'on a. Un congélateur comme ça. Congélateur triple. Ah, effectivement, c'est beaucoup mieux ça. Congélateur simple. C'est assez cool ça qu'ils ont fait ça. Réfrigérateur simple et tout ça. Putain, il y a tellement de trucs, les gars, je suis paumé. J'ai pas l'habitude. Réfrigérateur double, ouais, d'accord. Étagère centrale ronde, donc ça c'est des centrales. Étagère extérieure d'angle, ça. Les étagères comme ça, c'est bien. Putain, il y a plein de trucs, il va falloir que je travaille vraiment rayon par rayon. On va regarder un peu les rayons, puis on va vraiment travailler. Donc là par exemple, il faut une étagère d'angle. Ici, il faudrait une étagère d'angle en fait. Allez, prenez le truc, madame. Hop. C'est limite pour faire correctement les choses, les gars. Je sais pas si vous êtes chaud, mais limite j'aurais envie de recommencer un magasin en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, le problème, il y avait trop, tu sais, j'ai trop joué sur l'autre ancienne version et où c'est trop. Il y a trop de comment dire. Je veux dire, voilà, j'ai mon... le stock ne se gérait pas pareil. Ah, tu peux changer les couleurs des étagères en plus? Ah, ça c'est pas mal ça. Attends, je vais la prendre rouge, juste pour voir. Ça, c'est pas mal, ça. Moi, je refais une nouvelle partie. En vrai, je pense qu'on est parti pour ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'en vrai, c'est pas... Je veux dire, on a déjà bien avancé. Déjà bien avancé, je pense que ce magasin-là, il est fini. Autant recréer une partie. Je vais juste regarder l'étagère comment elle fait. Comme ça, ouais, c'est joli. Ouais, je pense que... Ok. On va sauvegarder, mais je pense que... Je crois pas qu'on puisse avoir plusieurs parties. Quitter vers le menu. Nouvelle partie. You're sure to create a new game with delight. Allons-y. Bienvenue au supermarché. Amusez-vous. Ok, bon, bah on recommence depuis le début. On recommence depuis le début.
Alors, marché. Putain, ça va faire bizarre, les gars. Ça va faire bizarre. Alors, on a 50$. Effectivement, ça fait pas beaucoup. 50$. Putain, 50$? Attends, mais j'ai rien du tout, hein. Ah, bah, on va contracter un prêt. Ok, 50$, donc on va être obligé de contracter un prêt. Donc là, on va aller dans banque. Qu'est-ce que tu me proposes? 750$ de prêt. Hop, prendre un prêt, voilà, tac. On a pris un prêt, maintenant on va aller sur le marché. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 produits. On a une, deux étagères. Donc hop, on va commencer à mettre en forme ici. Ici, tac. On va gagner de la place. N'oubliez pas les gars, rentabilité, c'est comment dire, rentabilité par mètre carré. Toujours un facteur qui est super important. Mettre une étagère d'angle. Étagère d'angle qu'on va mettre rouge. Il y a 6 produits, les gars, on est d'accord. 6 produits. Un produit. 6 produits, ok. D'accord, rouge comme ça fait ok. Oh, c'est joli hein, quand même. J'ai essayé de faire un style, les gars, vous allez pas être déçus du voyage, moi je vous le dis. Ok. Donc là, on va dire c'est le rayon céréales. Ok, d'accord. Bim. On va commander une boîte de produits de chaque. Voyons voir. Fourniture. Produits. 2, 3, 4, 5. On va commander une boîte de produits de chaque. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Par exemple, on est bon. Est-ce que 57$ ça me fait? Attendez. On va recommander deux boîtes de produits de chaque. Hein? Tac, 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 tac. Ah, chaud max. On va s'organiser correctement. Comme je dis, si on fait un bon départ, on fera un bon truc après derrière. La farine. De l'huile. L'huile, on va la mettre là. Tac. Yo, c'est quoi le nom du jeu? C'est Supermarket Simulator, Bully. Supermarket Simulator. Sur Steam. Le pain, le pain, le pain, le pain, le pain. On va le mettre là. Pour l'instant, on va le mettre là. Tac, 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 tac. Ok. Chokipic. Panzani, 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 c'est des pâtes, les panzani, on va les mettre là. Le sucre, c'est quoi? C'est plus un condiment. On va le mettre là. Alors, il nous faudra un paquet de trucs en plus. Alors, voyons voir le prix. Alors, le prix du marché, il y a 4,83. Nous, on va le mettre à 5,03. 5,03, tac. Ok, là, on est bon. Le pain, il est à 3,96. On va le mettre à 4,16 euros. Enfin, 4$, pardon, excusez-moi, c'est assez des dollars. 3,71, on va le mettre à 4. 1,50, 4,50, 4,70. Merde, attends. 4,70. 3,32. 3,32. Et on est bon. Hein. On est bon, puis on va commencer à ouvrir normalement. Je vais juste reprendre un paquet de sueur. Tac. Hop. Eh ben dis donc. Ça, je vois pas. En du monnaie 95, ok. Je vois pas avec le point d'exclamation.
J'en ai des chocs à pique. Je suis en train de... J'ai pas fixé le prix, attends. Eh ouais, j'ai pas fixé le prix. 5. Ah, si tu me précises pas. Je veux pas savoir, moi. 6,28. Normalement, ça devrait être bon. Ah bah les clients ils vont être contents hein, c'est le prix d'usine. Prix d'usine, rien du tout, c'est... Ils vont être contents les clients là. Tac. En fait, j'ai recommencé à zéro parce qu'on va organiser la réserve, on va faire une réserve nickel chrome et tout ça, on va mettre des produits et tout. Et comme on aura les stockers, eux, en fait, leur job, ça sera de s'occuper uniquement de ça. Et nous, on va gérer tout ce qui va être, quoi. Tout ce qui va être, comment dire, commande, etc. quoi. Oula, tout recommencer. Ouais, tout recommencer, Pépito. Faites passer le mot, les gars. On est reparti. On est reparti, on est reparti. C'est acheté, c'est 800$ pour la première réserve. Et Uber pour mon bien, si seulement. Seulement, si seulement. J'ai l'impression que le temps s'écoule plus lentement aussi. Le temps s'écoule plus lentement, ouais. Je sais pas s'il a fait des modifications au niveau de la ville. On va regarder, mais... Ça va. Ouais, il n'y a pas grand-chose de différent. On va essayer aussi de faire un bon truc de peinture et tout ça. Vous allez voir, ça va être sympa, ouais. Toujours la même poubelle pour les cartons. Toujours, toujours, on change pas une équipe qui gagne. On change pas une équipe qui gagne, voyons. Pour l'instant, c'est plein. Astroloïc, merci du follow, bienvenue à toi. Tac. Douze point 56. Pour l'instant, c'est tranquillou, les gars. Franchement, au début, les premiers levels, ils sont tranquilles. C'est juste de la patience. Faut attendre un petit peu, et puis ça passe tranquille ou quoi. Bonjour, mon brave. Et le temps s'écoule plus lentement, les gars. On est d'accord. Hein. Je sais pas, les joueurs de supermarket, là, on est d'accord que le temps, c'est plus lent. Hein.
Et du coup, tu joues toujours en solo, il n'y a pas cette possibilité de t'aider. Non, non, pour l'instant, non, non, il n'y a pas de mode coop et tout ça. Eh, c'est dommage, hein, c'est dommage, mais bon. Peut-être dans l'avenir, Pépito, peut-être dans l'avenir. On a des lumières, bon, on a des lumières. Alors, je sais que la lumière nous faisait bugger durant un moment. Merci, mon brave. Hop là, tech, 10 $ 88, 98, s'il vous plaît. Merci, on vous remercie, madame. Toujours à votre service. Et t'as plein de trucs qui sont t'as des modifications, tu vois. Ouais, on va pouvoir vraiment custom un magasin, un supermarket vraiment qui va être sympa à faire. En fait, on va faire vraiment le Raptors Market, c'est-à-dire aux couleurs de Raptor Gaming, etc. quoi. Vous allez voir. Mais après, c'est dommage qu'il ait fait ça un peu tardivement parce que le truc qu'il a avec la commune canadienne, le shop sera opti. Mais c'est dommage qu'il ait fait ça un peu tardivement parce que du coup, comment dire. Je veux dire, ça a plus la même hype que ça avait à l'époque. Après, on peut essayer de relancer un petit peu la hype, mais bon, on va voir ce que ça donne, quoi. Tech. Hop là, 6 points. J'ai vu qu'il y avait la version shop vêtements aussi. Ben oui, je l'ai fait, Pépito, la version shop vêtements. Je l'ai fait. J'avais commencé, j'ai déjà un beau magasin, shop vêtements. J'ai déjà un beau magasin au niveau de ça. Bonjour, monsieur. 10 $ 06. En vous remerciant, cassez-vous. J'ai pas vu, pardon. Tu me déçois, Pépito. Tu me déçois beaucoup. Tu me brises le cœur, là. Moi qui pensais que t'étais là tout le temps. Oh, c'est ferme. Oh, madame, faut arrêter de venir, hein, c'est la nuit. Alors, tac. Close. Et on termine la journée. Boum. 24 clients satisfaits. Bon, au début, c'est pas trop compliqué. On a fait 500 profit total, moins 215. Mais il faut dire qu'on a un métier. Vous recevez des factures quotidiennes. Alors, lisez bien, les gars, lisez bien. Vous recevez des factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui. Assurez-vous de payer les factures à l'aide de votre ordinateur avant leur date d'échéance. Sinon, elles seront payées automatiquement. Plus il y a d'appareils électriques, plus les factures seront élevées. Vous avez entendu? Parce qu'on me posait tout le temps la question. Sinon, elles seront payées automatiquement. D'accord? Voilà. Et après, parce que chaque fois on me disait, tu payes pas tes factures. Non, non, mais c'est parce que je m'en branle en fait. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il nous faut. Pâte, pâte, choukip, pâte, choukip. On va reprendre un produit de chaque. Tac, tac, tac. Tac. Hop là. Tu peux te retrouver en négatif du coup si c'est en auto. Oui, bien sûr, tu peux te retrouver en négatif, mais après, tu t'assures toujours d'avoir un compte en banque rempli, tu sais, c'est comment dire. C'est pareil, tu diriges une entreprise, tu sais, tu as un capital foncier, entre guillemets, tu n'investis pas tout ton capital dans une affaire. Jamais à faire ça. C'est un peu comme ta bouée de sauvetage, tu sais. C'est pour ça que nous, on se fait d'abord de l'argent et ensuite on investit. C'est pas. Voilà. Sinon le banquier va pas aimer. Bah non, ça c'est sûr. Bah, comme je disais toujours, tu sais, je disais toujours, tu sais, les gens qui pensent que la banque elle est là pour t'aider. Non, la banque elle est pas là pour t'aider, la banque elle est là pour te sucer le pognon, d'accord? C'est vraiment le but d'une banque, les gars. Je suis désolé, mais bon. Ok, tech. On va réouvrir. Normalement, on a du stock, on a tout le nécessaire, on est pas mal. Ne dépense pas l'argent que tu n'as pas, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Alors, 60 centimes. Hop, hop. Tac. Pour l'instant, on va gérer la caisse tranquillement. Je vais regarder un petit peu au niveau des employés, qu'est-ce qu'on peut embaucher. Donc là, pas avant le niveau combien? Niveau 10. Et il faut que j'effectue 200 paiements. Niveau 10. Stock nécessaire niveau 1. Rack acheté niveau 1. Et niveau 15 du magasin. Ok, d'accord. Niveau 15 du magasin. Donc tant qu'on n'est pas niveau 15, on peut pas acheter autre chose. On est bon. Donc là, on va essayer de gravir les premiers levels assez rapidement. Essayer de gravir les levels assez rapidement, puis comme ça, on débloque d'autres aspects du magasin. Et puis je remplace. Faites-moi penser à remplacer les deux premières étagères aussi. On les met en rouge. Et ben, le monsieur, il aime bien les céréales. Là. Tac. Pour l'instant c'est tranquille, comme je disais, pour l'instant au début le gameplay il est assez plat les gars, mais je veux dire au fur et à mesure quoi, ça se comment dire, ça sera plus dynamique, mais il faut construire les bases sainement pour qu'on puisse derrière avoir un bon magasin qui fonctionne correctement. Alors tutoriel, il faudrait que j'achète une autre licence, il me dit. Faudrait que j'achète une autre licence, voyons voir. Licence 200$. Et bon, on va l'acheter. Ok, je l'achèterai le jour prochain. J'achèterai le jour prochain, comme ça au moins. Merde. Hop. Là. Pour l'instant c'est tranquillou, hein. Tranquille, tranquille. Tac, on va regarder ça. Voilà. Tac. J'arrive. Une petite minute, tac, tac, tac. Merde, attends. Récupérer de l'argent. Vous pouvez récupérer de l'argent en faisant... Oui, ok. Merci.
commence à allumer. Qu'est-ce qu'on a ici? Les pains de mie. C'est quelle heure? Ça va bientôt être 9h. On va attendre 9h et puis après on va justement prendre une nouvelle licence. Je vais juste couper la cam, les gars. Okay. Alors, 9h40, madame. Merci. Hop. Allez, monsieur, combien il faut lui rendre? Il faut lui rendre 88$. Bah oui, mais tu peux pas faire la monnaie avant de venir? De Dieu. Attends, non, pardon. Hop, voilà. Madame. Bonjour monsieur, des pâtes, oui. 4 4 36, tac tac tac. Attendez, excusez-moi, je suis pas allé à l'école. Ça va, Titi, si tu veux. Ah bah, tout sa chance. Non, hein. Je suis quand même allé à l'école, quand même. Voyons. Voyons, voyons, les amis, quand même. Je sais que j'ai l'air bête, mais quand même. Alors, tac. Hop. On a fait 140$ de bénéfice, les gars. Super. La farine qui augmente. La farine, la farine, la farine. 4,79, on la passe à 5€. Eh ouais, les gars. Ensuite, on achète une nouvelle licence. Bam, produit maintenant. Alors, les produits sont... Ah, mais il faut des frigos! Eh ouais, j'avais pas prévu ça. Tac, tac, tac. Alors, il nous faut un frigo. Alors, il y a combien? 1, 2... Il y a 3 œufs, frère. 3 œufs, 3, 4. Il faut 4 places. Il faut un frigo à 4 places. Je me demande qu'est-ce qu'on prend. Qu'est-ce qu'on prend, les gars, comme frigo? On va prendre comme ça pour commencer. Tac. J'ai pas vu si on pouvait choisir la couleur du frigo. J'ai pas fait attention. Hop. Le nouveau produit vient d'arriver. N'hésitez pas à venir acheter, messieurs. Monsieur dame, hein, d'ailleurs. Voilà. Tac. Du bon petit fromage. Café Narvalo. Ah ouais, d'accord, ça prend 2 places. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est pas génial, ça. C'est pas nice. Il y a du lait. Ok. Pour le lait, faites-moi penser que j'en ai en réserve si jamais. Et ça, c'est du thé. C'est vrai que je les ai mis là, mais en vrai... Attends. En vrai, je vais plus les mettre là. Ça coïncidera mieux.
Ok. Allez, tac. Ah là, on est bon. Quatorze point cinquante et un. Tac. Pris du lait, je l'ai pas mis. Bah j'ai rien mis en fait. J'ai rien mis gros, putain, je me disais bien. 3,40. 3,60. 2,86. C'est gratuit. Non, c'est le prix. Ils vont juste payer le prix d'usine par contre. 42,60. C'est juste qu'ils vont payer le prix d'usine, tu vois. Donc du coup, je me fais pas de marge de bénéfice dessus. 77, putain. Ah, le café aussi, j'ai pas mis de café. Café 10,68. Cinq point 98. Tac. Bonjour madame. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut? Bonjour monsieur. Tac. $31,72 dollars. Tac. Tac, 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 tac. Ce petit bruit de caisse m'avait manqué. Ouais, je sais pas pourquoi, les gars, mais vous adorez me voir jouer à Supermarket. Alors que, putain, les gars, je fais des jeux des fois qui sont plus intéressants. Mais. Je sais pas, j'ai une communauté supermarket. Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. C'est dingue, hein? Non, t'es toujours là ou pas? Hop là, 6,64 monsieur, merci. Et ça fout le vent. Supermarket, ça faisait longtemps. Salut aux Adus. Bah, ils n'avaient pas de mise à jour aux Adus. C'était chiant. Il n'y avait pas de mise à jour. C'est surtout pour ça que je fais mes plus Supermarket, les gars. C'est pour ça. Parce que non, c'est sûr, Supermarket, les gars. Je veux dire, moi, c'était tout bénef pour moi, mais
Ah, attends, une petite mise à jour, au bout d'un moment, ça faisait chier, quoi, tu vois. Ouais, j'avoue, j'ai recommencé aussi. Ouais, pareil. Pareil. Mais bon, ça fait plaisir, nouveau contenu, etc. Ça fait plaisir, ouais. Ah, y a plus de lait, attends. Moi aussi, j'ai recommencé. Moi qu'on se retrouve, hein, tout le monde, hein. Ça faisait un moment, les gars. Ah ouais, bah parce que les gars, je veux dire, bon, d'accord, bon, je veux dire, c'est sûr qu'on avait beaucoup de viewers sur Supermarket, ça, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais... Non, merde, putain, attends, je l'ai même un peu trop, là. Mais bon, le problème, c'est que s'ils proposent pas des mises à jour régulières, tu vois, moi derrière, je me fais chier. Et c'est pas non plus voilà, quoi. Au moins, je te l'ai dit. Tu attendais une mise à jour. Ouais. Bah, c'est. Ouais, comme tu me l'as dit, bah, du coup, nickel, ouais. On est reparti, quoi. On est reparti de plus belle, les gars. Oh le vent! Merci le vent pour ta générosité, merci mon poteau! Ça me fait très plaisir, merci gros! Merci pour tes 5 abonnements! Tu sais que pour les paiements par carte, tu peux utiliser le pavé numérique? Ouais, je sais, mais c'est que j'ai tellement l'habitude de faire, comment dire, avec la souris, tu vois. J'ai tellement l'habitude de le faire avec la souris. Parce que tu sais, bah, quand c'était les premières versions de Supermarket, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, comment dire, tous les ajustements qu'ils ont fait. Hein. La match a été longue mais intéressante. Tout à fait. Tout à fait, elle a été longue mais elle a été intéressante, ouais. Mais il était temps! Il était temps! C'est. Le problème, c'est que. Tu vois, le problème, moi, c'est pas le problème qu'il n'y avait pas de mage en soi, parce que bon, je suis parti faire autre chose le temps qu'il y ait des mages. C'est que le développeur, il se positionne, il dit, bah, il y aura une mage toutes les semaines. Et moi, je vous ai dit quoi, les gars, à ce moment-là, sur le live? Je vous ai dit, non, rêvez pas, les gars, il n'y aura pas une mage toutes les semaines. Et c'était le cas, il n'y avait pas une mage toutes les semaines. Eh, surtout aucune com quasi, etc. Ouais, il a besoin d'un community manager ou des trucs du genre, parce que c'est dommage parce qu'il avait fait une super hype, les gars. Hein. Le jeu avait fait une super hype. Pourtant, c'était pas un truc qui était à tout casser, mais il avait fait une super hype. Et il a très mal communiqué dessus. Et vraiment, c'est dommage pour lui. Alors, qu'est-ce qui a augmenté? Attendez. Pas la photo. Alors, Chocipic, céréales. 7,38, on va mettre. Palace Noir, le thé, il a descendu. 4,62, 4,82. Hop. Et le sucre en poudre. 5,80, on va la mettre à 6. Hop. Super. On va reprendre une boîte de chaque. On va reprendre une boîte de chaque. Tac. C'est broken tout seul. Ouais, c'est dommage. Après, on va essayer de relancer un petit peu tout ce qui était hype et tout. Puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va essayer de ouais, comme je disais, de réattirer un petit peu le monde dessus, tout ça, parce que sa mise à jour est très intéressante. Après, comme je disais, moi, par exemple, j'ai recommencé une partie parce que la mise à jour, voilà, elle dérègle beaucoup de choses et on va dire l'ancien système, ben, il est plus trop au goût du jour. Pour ça, moi j'ai recommencé direct une partie alors qu'on avait un magasin, je sais pas si vous vous souveniez, hein. On était level 102, on avait bien tryhard. On avait bien tryhard et tout, et bon bah on recommence, c'est pas grave. Le problème c'est quand tu as plus joué depuis longtemps,
Tu peux pas te replonger dans ta vieille organisation. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça, ouais. C'est pour ça, moi, j'ai dit, les gars, bon, écoutez. On a revu l'ancien magasin, ça nous a fait notre petit moment de nostalgie. J'ai dit, bon. J'ai dit, il est temps d'en faire un nouveau, de le faire correctement, de faire le nécessaire. Allons-y. Ah, merci à vous pour les 5 abonnements, les gars. On lui tape un GG. Tu es paumé quand tu retournes sur ta partie, mais de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Bah surtout, c'est que, comment dire, moi les gars, quand on jouait à Supermarket, c'était à 6h du matin, j'étais levé. 6h du matin, le truc, il ouvrait, le magasin ouvrait. Ouvrait. Je faisais mes commandes, mes cartons, etc. Vous étiez là, je me souviens. Et c'est parti, hein. Et c'était une routine, 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 routine. Gentil geek. Pas maintenant, Irox, hein, pas maintenant. Dimanche, ça peut être une bonne solution, Irox. Et au final, on commence pour être dans la même routine dans 50 heures. Bah écoutez, si moi vous êtes chaud pour qu'on, si vous êtes là à 5h du mat, à 6h du mat, c'est parti, hein. C'est parti, les gars, hein, on se retape. Hein. On se retape le supermarket. Puis cette fois-ci, par contre, on va le faire vraiment classe et tout ça. T'sais, on va mettre quoi, des belles étagères comme ça avec des couleurs. On va mettre les murs, on va peinturer tout ça, quoi. Bonjour, monsieur. 2056, bah dis donc. D'ailleurs, je suis allé faire les courses aujourd'hui, les gars. Bah, je vous dis, bah, c'est un bras dans le cul à chaque fois. Hein. Putain. $15, 38, hop, merci madame. Ah oui, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr, mais vu l'inflation aux adus, mais j'ai l'impression que des fois ça va être le même prix, tu vois. Vu l'inflation à des moments, j'ai l'impression que ça va être les mêmes prix. Y a pas des modeurs là dans le chat là qui veulent développer des nouveaux produits les gars? C'est dommage qu'il n'y a pas mis d'autres licences. Acheter une nouvelle section à l'aide de votre ordinateur. D'accord, pour terminer le tutoriel, faudra que je fasse ça. Ok.
0.60, tac, tac. En vous remerciant, cassez-vous. Alors, il nous dit d'acheter une nouvelle... Alors, gestion, agrandir, ça coûte combien? 350. Oh, vas-y. Hop, il nous reste 49$ sur le compte, les gars. Bonjour, monsieur. Tac, 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 hop. Hop là, merci monsieur. Il y a un truc qui manque là-bas. C'est quoi qui manque? Du pain, du fromage. Tac. Hop là. Ça, faut que je fasse gaffe ça. Faut pas qu'on ait des invendus, ça serait bien. 80 centimes. Hop. Normalement, on a fini le tutoriel, normalement. Ok, on est bon. Bon, on n'aura pas fait grand chiffre d'affaires, mais ce sera toujours ça. Ok, tac. Alors, voyons qu'est-ce qu'on aurait besoin, on va faire. Ok. Niveau du lait, il reste pas beaucoup. Tac. Tac. Hop là, ça c'est du café Narvalo. Narvalou. Ok, on est bon. Ok, bah je pense qu'on va pouvoir ouvrir tranquillement. Hop, c'est parti. On est niveau combien? Niveau 5 hein, déjà le magasin, oui. Alors, 11, tac.
Merde, attends, attends pour moi. Hop là. Peut-être regarder pour la peinture, mais le problème de la peinture, c'est que... C'est que ça coûte cher, en vrai. La peinture, elle coûte cher. Eh ouais, peinture, elle coûte cher. Pas pour tout de suite. Pour l'instant, on va s'occuper de faire un peu d'argent. 34,52, tac. Là, c'est, je pense, le premier truc qu'on prend, je pense, c'est la réserve. La réserve, comme ça, on essaye d'entreposer les rayons et de commencer à bien organiser. Hop, 8,56, tac. Et tac, on est bon. Hop là, tac. Bonjour monsieur, il vous faut 33$, putain. Dépasse juste pour acheter un paquet de pâtes, t'as pas dit donc. Les voulez, c'est pas tel. Allez, tech. Limite, à un moment, je pense que t'auras même plus besoin de jouer tellement t'as des trucs comme les caissiers et trucs comme ça, c'est... Tu seras tranquille, quoi. Ah pardon, j'avais pas vu. Tac 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 tac. 2,96$. Hop, en vous remerciant. Yorox, tu bosses demain? Oui, tu bosses demain. Yo, ok. Comment tu vas? Ah, y a plus de comté, merde. Ah oui, bah attends, je vais en racheter. Je vais en racheter, je vais en racheter. Ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Faut leur racheter du café aussi. Hop là, hop, 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 tac, tac, tac. Bonjour monsieur. Hop là, tac. Ok. On va allumer. Bon, on fait pas énormément d'argent par contre, hein. Ça, ça, c'est pas... Ouais. C'est pas nourrice.
Qu'est-ce qu'on a ici? Attends, pas de mie. Hop là. Tac. Bientôt côté en bourse. Ah, peut-être pas, hein. Pour l'instant, là, on est au tout début, là. C'est le tout début, là. Non, je vais remettre des panzani vite fait. Oups, j'en ai mis un au-dessus, c'était pas voulu. Ah, c'est là pour l'instant on est une petite épicerie, tu vois, on n'est pas encore côté en bourse ou quoi que ce soit. Hop. Tac. On est bon. On va fermer. On a fait combien là? On est en 312 de bénéfices. On a 20 produits non trouvés. Ok. Oula, alors il y a le lait qui augmente, le pain de mie, l'huile. Lait, pain de mie, huile. Lait, pain de mie et l'huile. 4. Prochain shop version cyclée moto. C'est-à-dire? C'est un jeu qui va sortir? C'est quoi? 4.73. Merde, j'ai marqué 5. 4.73. Alors, voyons si on peut pas prendre une licence, parce que peut-être que les licences nous permettraient aussi de... 400$. Non, pas encore, c'est trop tôt. Non, j'imagine l'évolution. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on a déjà un magasin de vêtements aussi, les gars. On a déjà un magasin de vêtements, hein. Hop, on va regarder ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il nous faut. Une boîte de sucre, une boîte d'huile, farine, huile, farine, sucre, choc qui pique. Alors. Huile. Farine, sucre, choc qui pique. Tac, là on est bon. Choc qui pique. Fromage, œuf. Œuf, lait. Fromage, œuf et lait. Fromage, des œufs et du lait. Ok. J'arrive, un petit instant. Je ravitaille pour que vous puissiez manger. Hop là. Tac. Alors 17.50, tac. On va essayer d'économiser un petit peu pour ajouter une licence, ce serait bien. Parce que
que plus on a de licences, plus derrière on aura des ventes. Par exemple, à 50 $ de vente, ça fait toujours plaisir, quoi. Merci Mimi pour le follow, bienvenue à toi. Tac, tac. 34 $, hop. Bonsoir, quelle nouveauté de la mise à jour? Tu as la customisation, c'est-à-dire par exemple, tu vois, t'as des étagères de différentes couleurs, etc. Ce qui te permet de faire un style que tu veux, en fait, tout simplement. Tu vas avoir du coup, les restockers qui vont s'occuper directement de la commande et t'es pas obligé de leur dire quoi faire, entre guillemets, quoi. On va dire plus de fonctionnalités, les restockers sont beaucoup plus autonomes au niveau de ça. Et puis ouais, la customisation, tu peux déplacer ta porte d'entrée, tu peux modifier ton titre au-dessus, le storage, t'as des nouvelles étagères, des trucs comme ça, tu sais. Voilà, c'est ce qu'on va retenir principalement de la mise à jour. Tac, tac. Hop. Hop, tac. On est bon. Qu'est-ce qu'il nous manque là? Il nous manquerait un peu de thé. Hein. Un peu de thé, je vais reprendre. Des chocs qui piquent et du thé. Hop. Tac. Et voilà, on est bon. Là on est pas trop mal, comme je disais, bon, on va essayer d'acheter une autre licence. On va essayer d'acheter une autre licence, ça sera toujours toujours mieux, comme ça au moins on proposera plus de diversité de produits. Qui dit plus de diversité dit plus de ventes. On va commencer à allumer un petit peu. Hop là, merci mon brave. Je regarde juste un truc, Léon, au niveau est-ce que ça fait tourner le PC ou pas? Bah après le PC il est tout neuf, hein, donc ouais bon le PC il est à 15%. Ça va. Enfin ouais, parce que ouais on a changé de PC dernièrement, on a pris une 4080, 128 Go de RAM, Intel Core i9 14900KS, pardon. Non, on a pris une bonne bête, quoi. Hop là. Tac, tac, tac. Le lait est trop cher pour lui. Bah écoute, prends-en pas.
Qui aura sucé la mamelle de la vache, hein. Hop là, tac tac. Là, elle est profonde cette poubelle, hein, parce que... Vu le nombre de cartons que je jette par jour. Catmoon, du coup, vous allez bien? C'est toi qui as voulu reprendre au début ou tu as perdu ta sauvegarde? Non, j'ai voulu reprendre au début parce que comme ils ont fait quand même pas mal de modifications, bah, c'était compliqué un petit peu avec mon ancienne organisation, donc je me suis dit, bah, let's go, on reprend tout au début. Et puis, on va faire un truc vraiment, vraiment clean, tu vois. Hop, hop, tac, tac. Alors. Tac, on va mettre ça là. Panzani. Ok, je vois. Elle est bien cette mise à jour du coup. Franchement, ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, il y a pas mal de petites modifications et tout. Vraiment, c'est vraiment assez cool. C'est vraiment assez cool. Alors, c'est dommage, il n'y a pas de nouveaux produits. C'est juste ça, moi, que j'aurais dit. C'est dommage. Parce que j'aurais espéré qu'ils mettent les fruits et légumes, par exemple, des trucs comme ça. Ça aurait pu être cool, mais c'est pas encore là. Ça viendra au fur et à mesure. Bonjour monsieur, tac tac. On a passé le level 7 du magasin, c'est pas mal, mais je crois que le storage, c'est quelque truc le storage. Ah, c'est bon, le storage, je peux le déverrouiller, mais pour l'instant je le fais pas parce qu'on n'a pas besoin. Il y a quoi en changement principal? Les restockers sont beaucoup plus autonomes en fait, ils vont gérer beaucoup la commande, etc. Donc ça, au niveau de ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Les journées sont plus longues, j'ai l'impression, ou alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les journées sont plus longues. Et sinon, bah, comme je disais, t'as beaucoup de modifications que tu peux faire. Tu peux peinturer ton plafond, tu peux peinturer tes murs et tout ça. Tu peux faire vraiment un style de magasin comme tu le sens, tu vois. Là, par exemple, tu peux mettre des nouveaux sols, tu vois, des trucs comme ça. Bon, c'est 200$ quand même, c'est pas donné. C'est pas donné, mais bon. Tac, je regarde un petit truc là. Qu'est-ce qu'on va faire? Marché. Non, c'était gestion. Licence. Licence, on va acheter une nouvelle licence. Tac, et on va faire passer la. On va faire passer la journée. Alors, la farine, les pâtes et le café. Farine, pâte, café. Alors. Farine. Pâte, café, c'est bon. Tac. Voilà, tac. On sera bon. Alors marché, voyons la licence, du coup produit. Tac. Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait? On va reprendre du pain de mie, parce que le pain de mie, je vais vous expliquer, on va le déplacer en fait, le pain de mie, on va le déplacer. On va reprendre. On va commander les nouveaux produits, sel, riz, pâte, le truc de riz, tac tac. Hop. Attends, on va s'organiser correctement. Il faudrait vraiment qu'on puisse déplacer à la main les cartons par contre, ça serait top. Ok, on va mettre ça comme ça. Ici, on va mettre la farine. Tac. Tac, on va mettre ça là. Comme ça. Ça
essayer de mettre ça comme ça, je vais essayer de réduire. Mais il faudra que j'achète, je pense, un autre stand. Là, il me faudrait un stand, mais le problème, j'ai pas la place d'en mettre un autre. Ah, c'est mal dimensionné au niveau de ça. Est-ce que, attends, attends, je vais regarder sur la commande. Ah si, simple, étagère simple. Ouais, c'est une étagère simple qu'il faudrait. On va la mettre en rouge. Tac. Hop. Et on va positionner l'huile dessus. Voilà, avec comme ça, ouais, nickel. Et je pense que je pourrais limite en mettre une deuxième. Voilà, tac. Là, ce qu'on va faire, c'est positionner. L'huile, je crois, l'huile, je crois que l'huile, il n'y a qu'une seule. Il n'y a que deux versions d'huile, si je me souviens bien. Perso, le souci que j'avais avec les gens qui remettent en lion, c'est que je les trouve lents. Même à trois, je devais les aider en fin de journée. Ouais, mais ils sont toujours aussi lents. Et ils sont toujours aussi lents, par contre. Ça, là-dessus, malheureusement, ils sont toujours aussi lents. Ça, je pense qu'il faut des tasers électriques pour essayer de les motiver un petit peu, quoi. Hop, le sel, je vais le mettre là, comme ça. Le sel, c'est provisoire, il restera pas ici, les gars. C'est provisoire, c'est juste que bah, pour l'instant, bah, je veux dire, on roule pas sur l'or. Donc on fait un peu des économies à droite à gauche. Fait des économies un petit peu à droite à gauche, puis on fait au fur et à mesure, quoi. Alors 0,75, alors 2,17, on va le mettre à 2,37. Là, il est à combien? 5,40, on va le mettre à 5,60. Ok. Pas de panzani, c'est bon. Le riz. 6,91, on va le mettre à 6,21. Ok, c'est pas une bonne nouvelle ça. Ah ouais, malheureusement. Ouais, c'est des travailleurs. Hein. Ils sont un peu feignants hein, sur les bords. 10,98. Tac. 5,98. Hop. Et normalement, on devrait être bon. Hein. C'est normalement, j'ai pas dû oublier de conneries. Et puis là, faut qu'on commence à ouvrir parce que là, on est à ras les pâquerettes au niveau financier. Il manque de l'eau, mais de l'eau, est-ce que j'en ai? Non, j'ai plus d'eau. Bon, c'est pas grave. On repassera une commande dans la journée et on essaiera de faire au mieux. Et après, on déverrouillera le stockage. Et le stockage, on fera en sorte d'avoir vraiment une étagère par espèce comment dire, de style de nourriture, etc. On va voir comment on va s'organiser. On va essayer de faire au mieux. Tiens, ça, on en a plus besoin. Hop là. Dès que je peux faire un restock, les gars, je le fais, hein. Alors 10 dollars, 1,36 $. Va falloir que je rachète des panzani. Il va falloir que j'achète un pack d'eau aussi. J'arrive, j'arrive. Hop. Là, on commence déjà à vendre plus de choses. Hein. Là, déjà, on commence un petit peu à plus vendre. Là, faudrait. Le lait est trop cher, mais qu'est-ce qu'il a, le lait? Bon, attends, on va le baisser. On va le mettre à 2. 2, 3,08. 3,08. Tac, voilà. C'est l'heure de boire d'ailleurs. C'est-à-dire de boire quoi? De l'eau, j'espère. Je parle de toi. Pourquoi tu parles de moi? Ça va, ça va.
Ça va, ça fait à peine 2 heures. 2 heures, 2h43 qu'on est en stream. C'est pas non plus énorme. Avec l'été qui arrive. Vendredi soir, boire de l'eau, c'est honteux. Ah ouais, moi je bois pas d'alcool aux adultes. Du coup, bon, après, à la rigueur, un petit verre de coca, tu vois. Salut Pumpkin, comment tu vas? Oh, merci Raptor Stitties pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé, que tu t'es bien amusé sur Avatar. Toujours Pumpkin, toujours, toujours, toujours. Et toi, qu'est-ce que ça raconte de beau? Ok, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Je vais racheter de l'eau. Oui, j'ai vu mon écran, les viewers ont choisi la couleur. Bah nickel alors, nickel, nickel, nickel. Si tout s'est bien passé, c'est l'important. Me suis pas un peu goué, Ah, j'ai pris peut-être un peu trop d'eau, les gars. J'ai pris peut-être un peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Et eux, ils font toujours des chiffres compliqués aussi, là. Attendez, j'arrive, 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 j'arrive. Il me faut une boîte d'œufs. Et moi je suis reparti pour mon 35 heures, Milady, hein. Écoute, hein. À défaut de faire 35 heures en réalité, bah, enfin, je veux dire, chez J'ai pas vu Pumpkin si tu m'avais répondu. Tac. Tu recommences au début alors? Oui, parce qu'en fait, alors. Pas parce que on avait plus la sauvegarde était toujours là. Il fait chaud, ouais, tu m'étonnes, ouais. Pas parce que la sauvegarde était plus là, mais c'est qu'avec les modifications qu'ils ont fait, en fait, tout simplement, ben, je me suis dit, tiens, on va recommencer au début, c'est pas si grave, quoi. Je veux dire, voilà, il nous faut de la farine. Hop là, tac. T'aurais dû rester un petit peu sur 7 Day, à midi, c'est dommage. Il y aurait le père Vent qui t'aurait accompagné. 28.29, tac, tac. Bonjour mon brave, comment ça va? Tu plains 35 heures de live? Non, 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 c'est pas ça. En fait, c'est parce que je rigole à chaque fois parce que quand je jouais à Supermarket Simulator, je faisais les mêmes soins que toi et Milady. C'est pour ça en fait. Ah non, 35 heures de live, les gars, d'affilée, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Tu fais notre boulot. C'est ça. Entre toi et moi, c'était pas pour la même paye, hein, je te le dis. Salut Sido, ça va? Hop. Pour 34, hop, on est parti. Ouais, tout le temps, pseudo, tout le temps, il faut que ça aille, hein. Il faut que ça aille, hein. Sinon, c'est pas bon. 38.81, hop. En vous remerciant, monsieur. Au revoir. N'hésitez pas à repasser. Tac, on a gagné un peu plus d'argent, les gars. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a gagné un petit peu plus d'argent comparé à nos autres journées.
Hop. Tac. Le comté. Renoir, t'es parti bouffer, Noah? Hop là, tac. Qui en a plus d'huile. Et là, le lendemain, on va faire les rayons correctement. Parti. Alors, tac, 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 tac. On est bon. Alors, la farine, elle descend. Et le sucre en poudre. Hein. Sucre en poudre. 5,24, on va mettre. Non, des fois j'ai des pulsions, j'ai envie d'écouter de la musique. Ah ok, je pensais que t'étais parti manger sur le coup. 4,30. Hop, c'est parti. Voilà, là on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Qu'est-ce que... Alors on va commencer. On va commencer par l'huile. L'huile, une... Ok. Une boîte et deux de... Ok, c'est bon, je vois. Alors l'huile. Alors, un, deux... Et une boîte comme ça, on est bon. On est bon. Ensuite, pâte. Une boîte de panzani, une boîte de chaque. C'est simple, une boîte de chaque. Alors, 1, 2 et 3. Ok. Des nouvelles licences? Non, malheureusement, non. Je suis déçu un petit peu là-dessus. Farine et sucre, on va reprendre. Je suis déçu un petit peu là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Farine et sucre, café, deux boîtes de café. Alors, on a dit farine. Ah, farine, c'était laquelle? Ah, c'était celle-là. Sucre. Je demanderai après, Irox. Sucre. Attends, farine, sucre. Voilà, il m'a perdu. Ah! Café. Salopio. C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu, Irox? Ah ouais, t'as vu, Emilie, les étagères et tout, tu peux customiser ton magasin, je vais faire un aux couleurs de la Raptor. C'est un nouveau FPS. Ouais, mais FPS, tu sais, moi, c'est... Je suis fatigué des FPS, hein, en ce moment. Entre bodycam... Ah, ça va être trop bien, bodycam! Ah bah non, en fait, c'est de la merde. Ah bah, quoi. J'ai rejoint le Discord. Eh bah, bienvenue à toi, Noah. Bienvenue dans l'équipage du Raptor. Peut-être un jour tu deviendras un Raiders. FPS avec un système de cartes, etc. D'accord. D'accord, ok. Ça peut être intéressant, bah, je testerai. De toute façon, je suis toujours ouvert d'esprit, hein, bien évidemment, mais. C'est que des fois, les jeux qu'ils ont tendance à proposer, des fois c'est pas l'idéal hein, quand même, hein, je trouve. Hein. Ah, Serpentard a gagné, bah oui. J'achèterai le paillasson. Fais-le tout de suite. Jusqu'à 21h30. C'est dernière minute hein, que tu me préviens, toi. C'est quoi, tu m'as dit, Frostpunk? Comment t'as dit? Attendez, les gars, je le fais en 2-2. Ouais, c'est bon. Mais non, c'est pas ça. Non, Fragpunk, putain. J'ai failli acheter un autre truc. On aime la dernière minute, c'est vrai, ouais, bah ouais, bon. Ok, hop là. Le chat, c'est discussion des membres. Discussion des membres, Renoir. Hop là, tac. Est-ce que là on est bon? Il nous faudrait peut-être du fromage à la rigueur, je vais reprendre. Fromage et Chokipic. Fromage et Chokipic et on ouvre. Tac. Et c'est parti. Je sais pas si tu m'avais répondu, mais il dit. Je disais ouais donc du coup je vais faire un truc tu sais tout aux couleurs de la Raptor et tout ça t'sais.
Je crois que je l'ai pas. T'as accepté le règlement, Noah? De toute façon, y a une des admins qui est présente, elle va s'en occuper. Hop, on va acheter ça. Ah ouais, non, elle est trop grande. Ah non, j'ai les boules. Je l'ai revendu, tant pis. Là. J'avais accepté le truc 18 étant et plus, mais le salon règlement fallait cocher, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est pour que derrière, en fait, c'est, je veux dire, tu rentres sur le Discord, tu sais, ça, guillemets, tu valides que tu comprends le règlement et que derrière, voilà. Tu as déjà joué à Borderlands? Ouais, j'ai déjà joué. Ouais. On jouait avec Asté, mais elle dégueulait. Et c'est vrai, elle vomissait en fait. Mais putain, mais. Bah, le jeu ressemble, d'accord. Ça va, j'ai 18 ans tout pile. Ah ouais, t'as un genou encore, toi? J'ai 10 ans de plus que toi. Bah, le jeu ressemble à ça. D'accord, ouais, ça peut être rigolo, mais après. À voir, tu vois, s'ils vont bien faire les choses et tout ça, parce que à chaque fois, tu sais, je veux dire, on nous sort des trucs en disant ouais, ça va être trop bien, ça va être génial, et puis au final, bah, c'est de la merde. Tu vois, c'est ça le truc. C'était bien Borderlands, ouais, c'était pas mal, ouais. Un jeu que j'ai envie de faire, tu vois, là, c'est Warframe. Warframe Pumpkin. Ça va, t'es encore jeune aussi. Oui, ça va. Ça va, oui, ça va, ça va. Mais t'es plus jeune que moi, tu vois. C'est sûr, si on prend vent, là, oui. Oh, papy! T'es endormi? Tu pourrais presque être mon fils. Ah ouais, Pépito? Je dis pas de papa, moi, Pépito, donc ça m'intéresse. T'as des anniversaires à rattraper, hein, je te préviens. Quand tu veux, on regardera. Ah oui, bah c'est même pas je pourrais être ton fils. C'est. Bah oui, je pourrais être ton fils. Mais c'est même pas presque, Pépito, c'est je pourrais être ton fils. Si je suis là. Comment ça, Irox, si t'es là? J'ai pas suivi, Irox. Appelle-moi papa. Ouais, bah tiens, ouais. Ça me ferait mal, hein. T'as pas encore la soixantaine, donc t'es pas encore vieux. Non. Non, ça c'est sûr, mais bon. J'ai l'impression que j'ai pris. J'ai l'impression que j'ai pris. J'ai pris, comment dire. J'ai l'impression que j'ai pris 8 ans, tu vois. D'un coup, là. Irox, c'est toi qui vas être recadré, en fait. C'est au bout d'un moment, en fait, tes années elles filent d'une vitesse. Tu t'en rends pas compte, hein. Maintenant, les gars, je suis marié, j'ai un pied dans la tombe et tout ça, c'est fini. C'est fini, les gars. Ok, Irox, tu peux être mon père, mais alors je vais te dire, là, mon anniversaire, tu vas m'offrir quoi? Et tu te caves, oui. T'es pas prêt, Irox, hein? Ouais, je pense, ouais. Un voyage en Turquie. Non, ça va, en vrai, hein, ça va, hein. J'en ai pas besoin, hein. Tu connaîtras ça un jour aussi, Rox, quand tu deviens grand, quand tu seras grand.
Est-ce qu'on a besoin de faire du ravitaillement au beurre de cacahuète? On a plus grand chose, mais ça va devoir tenir jusqu'à la fin. Quoique non. Ouais, je sais pas, attends. Peut-être en racheter, hein. Tu as 2 ans de plus, ouais. Ouais, mais j'ai mué, moi, contrairement à toi. Y'a ça aussi, hein. Tu prends pas ça en compte, hein. Y'a pas de... Merde, le lait! Ah, il me faut du lait. Du lait et cacahuètes. Tac. Et cacahuètes. Tac, tac, tac. Hop là, 34,59. Hop là, en vous remerciant. Et ouais, Warframe, faudrait qu'on s'en fasse. En vrai, c'est un jeu qui a toujours été sympathique. En plus, je pense qu'il est cross-platform en plus pour Top Up Gaming, donc ça peut être cool, ouais. Tac, on va passer. On a eu un produit non trouvé. Ok, sinon ça va. Ok, le pain de mie il a augmenté. 4,76. En 4,76, on est bon. Tac, attendez, je regarde juste un truc, les boys. Ah bah ça, Pumpkin, tu vas te faire plaisir, le. On peut changer les couleurs, les linéaires, c'est-à-dire... Tu parles des plaintes, par exemple, ou des trucs du genre? Bientôt niveau 100. Bah on l'a déjà fait, hein, Pépito. Mais on va y aller tranquillement au niveau 100, mais tu vois, je vais y aller plus tranquille. Plus tranquille, maintenant je connais le jeu quand même assez par cœur. Alors, farine. Farine, pain. Oui. Ah, tu veux dire dans les rayons? Oui, tu peux. Ah, les couleurs? Non, je crois. Enfin, tu peux changer la couleur du rayon en entier, mais tu peux pas faire plusieurs couleurs sur un seul truc, tu vois. Ok, farine. Pain de mie. Pain de mie, thé. Du thé. Des œufs, du fromage. Du thé, des œufs. Et du fromage, tac. Ça me ferait tellement suer de recommencer tout le jeu. J'ai même pas niveau 100. Ouais, mais bon, c'est pas ça, tu vois, c'est... Au contraire, parce que j'ai fait des erreurs, moi, j'ai fait des erreurs, ça me permet derrière
les corriger, et puis je vais faire une meilleure installation. Je vais faire, ça va être plus joli, etc. Tu vois, ça va vraiment ressembler à un vrai petit supermarché tranquille, quoi. Quel jour la lune rouge? C'était 14e, 21e. 21e, midi. Ouais. Tu fais des multiples de 7 en fait, Milady, pour retrouver. Faudra faire un peu de maths. Commence déjà à chauffer d'ici là, ça. Soir 19 là. Ouais, bah, tranquille. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La porte, ça a toujours été ma pire ennemie. Ah ouais? Pourquoi ça? Open, on est bon. Tac. On a peut-être du sel à la rigueur. On va reprendre un truc de sel, Panzani aussi. Toujours je me mangeais le mur. Ah ouais? Heureusement, il n'y a pas de dégâts, moi. Ça serait tellement bien d'avoir une poubelle dans le magasin. Bah tu sais ça pourrait être un ajout au fur et à mesure, c'est-à-dire imaginons que ça tu deviens un énorme supermarché. Et bah là oui, tu sais, t'as une zone de stockage où tu vas aplatir les cartons et les vider, tu sais. Si vraiment tu veux vraiment taper dans le vrai, tu sais. Je serais mort depuis longtemps. Ah bah ça. Oui, tu peux, ouais, mais j'ai tellement l'habitude, t'sais, de faire comme ça. Bah ouais, mais c'est ça Katoun, hein. C'est ça un peu, hein. C'est le principe, tu vois. C'est dans les grandes surfaces, c'est comme ça qu'ils font, hein. Je pense Pumpkin, elle qui travaille dedans, elle peut te le dire, hein. Là, on va dire, t'es un petit supermarché, t'sais, de comment dire, de proximité, tu sais. T'as un petit commerce de proximité, quoi. Ouais, c'est ça, t'as une compresseuse à carton, ouais. Ah, parce que sinon, ça doit... Tu sais, si tu compresses pas le truc, ça doit prendre trop de place dans les poubelles, quoi. Oui, je sais, je travaillais dans un super U. D'accord, ok. Mais là, tu sais, là c'est pas un supermarché comme Intermarché ou des trucs du genre. Là, t'es un petit commerce de proximité, c'est-à-dire les gens, ils ont oublié un truc au supermarché. Ah merde, bah, attends, mais heureusement, il y a la petite boutique, toi. Petit mater. Mais c'est juste que c'est tellement gros que j'ai mal à imaginer ça dans une réserve fermée. Oui, bah oui, ça c'est sûr, oui. Mais tu sais, je veux dire, si tu veux vraiment pousser le truc, tu peux faire des quêtes déchargement pour les transports, etc. Ça serait pas mal, hein, mais ça serait tellement de développement aussi, faut que le mec il y arrive à le faire. Hein. Mais c'est vrai que sur un système comme ça, sur un jeu comme ça, l'imagination est vaste. L'imagination est vaste, c'est pas. Voilà quoi. Bonjour monsieur, comment ça va? 38,68. Non, 68, j'ai dit. Ton Dieu. Farine et beurre de cacahuète, je pense.
Oui, lui, il peut pousser le truc réaliste, il a énormément de choses à faire. Ah oui, non, non, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'il a quand même un bon potentiel, le jeu. Mais faut se donner la peine de réussir. Alors, la question, est-ce que le développeur se donnera la peine... Est-ce que les développeurs, parce que je crois que maintenant ils sont plusieurs, se donneront la peine de réussir? C'est la question. Par contre, c'est vrai que pour gagner de la thune, c'est un peu long, hein, quand même, je trouve. J'aimerais savoir la possibilité de faire des formations au PNJ, même si c'est juste payé, qu'ils soient plus rapides ou autres, ou qu'ils gagnent en compétences. Ma sœur, elle mettait les prix au max, la folle. Ah oui, non, ouais, maintenant, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais ouais, ça serait bien, ouais, de pouvoir faire ça avec Akuma. Après, ça me fait penser à ce que tu veux, tu vois, je sais pas si tu connais, c'est Big Ambition, et justement, t'as possibilité de former tes employés au fur et à mesure dedans, tu vois. Je vous ferai un let's play dessus, faut que je vous en fasse un, ouais. Sur Big Ambition. Là, le fromage, il y en a presque plus là déjà. Hop là, tac. Hop là. Ça serait cool aussi le truc multijoueur. Non, je connais pas, mon PC est mort, donc je pique celui de mon homme quand il joue pas. Donc je traîne plus sur les streams maintenant. Et ben je vous ferai un stream sur Big Ambition justement. Je montrerai un petit peu les trucs qu'on peut faire. C'est vraiment très très sympa. C'est un peu le seul truc qui est un peu négatif, c'est que c'est vu du dessus, ça c'est pas en vue FPS comme ici. Merde. Attends, ouais, non, c'était ça. Merde, attends, 20. Et ouais, le truc en multijoueur, je suis d'accord avec toi, Noah. Hein. Ça serait cool, hein. Il y en avait un autre qui était en multijoueur, je crois. Un supermarket, il faudra regarder. J'ai tout premier et en multijoueur, mais perso, j'ai pas accroché celui-là. Ouais, bah, ouais, après, c'était le premier, quoi. Alors, les gars, question. Donc, est-ce que vous voulez qu'on redécore au niveau de. On peint, c'est-à-dire on achète de la peinture, ou on débloque le stockage? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va refaire les stocks en attendant. On peint? Ok, j'ai un qui veut peindre. Peinture, ok.
Peut-être lumière, non? Oui, lumière aussi, oui, il faudra qu'on achète. Ouais. Peinture, ok. On est là pour le nouveau contenu. Ok, ça. Et bon, on va faire la peinture. Hop, allez, c'est parti du coup. On va faire passer le jour et on va peindre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain, la bourde, le lait, les cafés et l'huile. Lait, café, huile. Lait, café. Lait, café et huile. Alors c'était bon, le prix il était bon, c'était celle-là qui a baissé. Ok. Alors. Tac, 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 tac. La peinture, alors du coup les couleurs. Les gars, on va faire aux couleurs de la Raptor. Aux couleurs de la Raptor, c'est du rouge et du noir. Donc là, tac. On va prendre deux pots de peinture comme ça. Et il faudrait du coup du noir. Mais le noir, le noir, le noir, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Le noir, je dirais que c'est ça. On va prendre comme ça. Hop. Alors, je vous explique. La devanture, attends. La devanture, on va la faire en noir. Voilà. Hop. Ici, rouge, on va mettre. Non, noir. On va faire noir. Tac. Alors maintenant, 1, 2, on va mettre en rouge. 3, ici comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. 3, 1, 2. Là, on fait ça comme ça. Comme ça. Et là, j'ai plus assez de peinture. Et là, du coup, on fait comme ça. Voilà. Il est magnifique ce noir. Ça va qu'il rend assez bien. C'est vrai qu'il rend assez bien. Hop là, comme ça. Tac. Là. Du coup, là, il faut. En fait. Ouais, attends, parce que je regarde. Il est hyper clash, du coup. Bah, c'est ce que je veux faire. Je veux faire un truc qui fasse un petit peu chic, tu vois. Là, je vais faire comme ça. Non mais Hirox, ça t'intéresse? Non, 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 c'est... Non parce que ça, Hirox, je vais pas le faire fructifier ce truc-là. Ok, comme ça, tac. Voilà, comme ça. Est-ce que ça vous plaît? Dommage. Bah ouais, mais ouais, c'est. Je sais pas, j'ai pas le pognon des fois à l'infini. Hein. Néon au mur. Ça va être compliqué. Ça, on va pas pour moi. Ah, tu veux dire les spots? Mais je crois pas que les spots, on peut. Je crois pas qu'il y en ait. Attends. Comme ça, tac, tac. Ça vous plaît ou pas? Mais je viens de Toulouse, donc pour moi, ça fait le stade toulousain. Oui, bon, ça, je sais pas du tout, je connais pas. Je sais pas du tout, honnêtement, là, tu. Alors, au niveau lumière, on a que les spots, hein. Au niveau lumière, on n'a pas de néon. On a que les spots. Une sudiste. Pourquoi je peux pas le mettre? Pourquoi je peux pas le mettre, les gars? Ah, c'est bon. Ok. Ok, on est pas mal. Et là, le sol, on fait quel coloris? Le sol, c'est pour le jour d'après. Le sol, on s'en occupe le jour d'après. C'est joli, comme disent les Assassins. Alors. Farine. Alors il nous faut de la farine, des pâtes. Des pâtes. Bah des pâtes comme ça aussi.
De l'huile, c'est laquelle qu'il faut? C'est la lessure. L'huile, ok. Du café, Chocipic, café, Chocipic, fromage, œuf. Café. Chocipic. Fromage. Faut pas que je dépasse 222. Et œuf. 229, merde. Bon. Tac. Ok, on est bon. Tac. Demain les enfants, on commence le live 7h, 7h jusqu'à midi au moins, sur Supermarket Simulator, Supermarket Simulator, et puis après on voit si je déborde ou pas sur quelque chose d'autre, hein, d'accord? Ok, tac. C'est vrai que ça fait bizarre du coup. Après, on s'occupe du sol. Le sol, il faut vraiment qu'on le remplace, ça sera beaucoup mieux. Tac, 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 tac. Carte bancaire, 51$, mais toi je t'aime bien toi. Les gros achats comme ça, j'aime bien. Il n'y a pas de remise. Hein. Perso, j'aurais fait les murs en noir et les étagères en rouge. Ouais, c'est vrai, ouais. Pourquoi pas? Attends, il me reste du noir. Ah merde, putain, j'en ai plus là. À la benne. Mais chier, j'en ai plus. Pourquoi pas, ouais. Au lieu de faire comme j'ai fait, ouais. C'est que les pots de peinture, par contre, ils coûtent cher, hein. Bon, on va faire comme ça, les gars. On va faire comme ça. Alors, faut que je fasse gaffe. Sucre et farine, je vais racheter des boîtes. Pendant que tu fais tes courses à la caissière, ils repeignent les murs en même temps de clients. Ouais, clairement, ouais. Ouais, ça peut se couper, hein. Multifonction, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Inquiétez pas, messieurs, dames, je suis là. Y a plus de lait? Merde.
Ok. Qu'est-ce qu'il nous faudrait là? Bon, je rachète des œufs. Je rachète des œufs. Là, on commence à avoir des plus grosses notes déjà. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des petites différences. Des petites différences, on commence à avoir vraiment des plus grosses notes, quoi. J'ai rendu la monnaie correctement. Hein. Ouais. Il faut des pattes. Allez, tac tac. Ok. Bah, les caisses sont toutes pleines. Ouais, bah je fais au plus vite, hein. Hop là, on est bon. C'est quoi la nouvelle match? C'est en grosso modo la customisation du comment ça s'appelle? Du magasin. Customisation, nouvelles étagères. Nouvelles étagères, il y a plein de petites nouveautés comme ça. Tu peux customiser ton magasin comme tu le sens. Tu peux changer l'enseigne et tout. T'as pas mal de trucs comme ça en vrai. Ok les enfants, bah on s'attaque au sol. On s'attaque au sol. Bon, le sol, je sais pas si on pourra tout faire hein, par contre, parce que le sol ça a l'air de coûter quand même assez cher.
Il faudra un pot de peinture de plus. Hop. Faudra un pot de peinture de plus. Et le sol. Alors. Couleur, donc du coup, pot de peinture, on va reprendre du noir. Tac. Et le sol, c'est 200 euros. Le sol, vous verrez quoi au niveau sol? Du blanc? Je sais pas. Sol en damier. Alors, damier, c'est quoi? Parce qu'il faut. Je suis pas carreleur, moi. Faut me le dire, là, c'est quoi le damier pour toi? Noir. Sol en noir aussi. Noir aussi. C'est-à-dire comme ça, là? Ah! D'accord, oui, ok. Donc blanc et noir, tu veux faire blanc et noir? Blanc et noir, les gars? On part sur quoi? Vous voulez quoi? Noir et blanc. Salut Atlas. Le mauve XD. Ouais, non, et le mauve. Non, ça fera trop bizarre. On devient un club échangiste après. Ouais, bah allez, bah, vas-y, hein, on va faire comme ça. On va faire un de chaque. Tac, tac. Comme ça, on est d'accord, celui-là on prend. Celui-là. Prends celui-là, ouais. Ça a l'air d'être le meilleur. Ok, bon, allez, on va voir. Salut, je t'écris depuis le début, tu m'as pas répondu. Ah bon, Atlas? J'ai pas vu, excuse-moi. Super Street Market. Ouais, c'est à orbite, toi. Hein. Non, non, il y a des dames, voyons, il y a des dames. Ah, désolé, gros, j'ai vraiment pas capté. Hop là, comme ça. On peut pas peinturer les. Non, les étagères, on peut pas les peinturer. Voilà. Voilà, donc là, au niveau de ça, on est bien. Pas le temps de répondre au pain. Alors, tu me dis une dalle sur deux. Ok. Donc là, il faut la mettre là. Comme ça, on est d'accord? Et là, attends, attends, là, faut que j'arrive. Ok. Ok, j'en ai plus. Putain, les gars, c'est super cher, hein. Les gars, c'est hyper cher, hein. Ça fait un peu glauque, noir. Ouais, mais ça fait aussi chic. Je veux que ça fasse chic un petit peu, tu vois. Comme ça, les gars, ça vous va? Comme ça? Non! Oh, j'ai des boules! C'est bien là. Oh, j'ai des boules, j'ai des boules. Putain, j'en ai plus. J'ai des boules, les gars, j'ai des boules, j'en ai gaspillé une. Ah, oh, j'ai des boules. Ça coûte super cher. Super cher. Bon, il nous faut quoi? Sucre, riz. Sucre, riz, farine. Sinon, tout blanc le sol. Non, damier, c'est pas mal hein, quand même. On va essayer damier, comme vous avez dit. Alors, attends. Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle a mis du temps à venir, la mage, hein. T'inquiète, hein. Beurre de cacahuète. Faut que je fasse attention au budget, les gars. Il me reste 50 dollars, Chokipic, on va prendre. Et du lait. Chokipic, lait, fromage. Attends, fromage. Fromage. Lait. Non, je pourrais pas les Chokipic, bon, c'est pas grave. Tac. À force, tu vas faire faillite à cause de la déco. Ouais, c'est vrai que la déco, elle coûte super cher, hein. C'est vrai qu'elle coûte super cher, mais c'est pas grave, bon. Ah merde, mais c'est pas du lait, mais je suis un gland. Oh, c'est pas possible. T'es de l'eau. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, Catherine, j'assure. Faut attendre encore fruits et légumes, aurait été bien. Je sais pas quand c'est que c'est prévu, il n'y a pas de date qui a été annoncée au niveau de ça, d'Atlas. Mais espérons le plus tôt possible, ce serait cool.
Ok, on va commencer à ouvrir. T'as le carrelage, les gars, ça coûte super cher, hein, les gars. Hein. C'est affreux. Hein. C'est pas donné, ce bordel. Ils ne ressemblent plus à rien maintenant le magasin avec le sol à moitié fait. Bah ouais, mais le problème c'est que Kaltoum ça coûte super cher, hein, surtout toi. C'est le truc, c'est que ça coûte cher, c'est pour ça. Il me faut de l'eau. De l'eau, de l'huile. Oh, huile. Quoi, c'est de la farine, tu peux. Tac. Ok, on est bon. Ah non, on va être level 10, les enfants. Tac, tac, tac. On commence à avoir plus de clients. Faut des chocs qui piquent. Commence à avoir plus de clients, ça commence à être la merde un petit peu. Putain, ils ont tous un seul article. Et il manque des pattes, je les vois d'ici. Ok, on est passé level 10, parfait ça. Vivement le caissier, hein, moi je vous le dis. Vivement le caissier. Hop, tac. Y a plus de thé noir, je sais, je l'ai vu. Il y a de plus en plus de clients, comme je dis, là je suis en galère. Dans toute l'argent, il était pas à profusion.
5,86, tac, tac, tac. Ça va être compliqué de finir avec sans commander là. Hein. Il me faut quoi? Il me faut du café. Hop. Ils vont attendre un petit peu, c'est pas grave. Hop. La madame au gros lolo. Hop, tenez. Ok, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Alors, 0,84 centimes. Ok, bon, c'est pas mal. Beurre de cacahuète, bah il y en avait là. Dommage. Hop là. Ok, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, on a essayé de sauver les pots cassés quoi. J'avais oublié, comment tu courais partout au début du jeu pour avoir jeu avant d'avoir les PNJ? Ah oui, bah oui, ça c'est sûr, oui. Ah oui, bah obligé, hein. C'est... Là on est bon, là on est bon, c'est quoi ça? C'est du sel. D'ailleurs on va regarder les PNJ, est-ce qu'on peut pas en embaucher un hein, pour voir. Alors lui, ça sera niveau 15. Et je peux prendre un caissier si nécessaire. Pour un peu mieux gérer. Ok. Ok, ok. Allez hop. On va passer. Écoutez les amis, on va s'arrêter là-dessus. Je recommence du coup demain. Demain, à peu près vers 7h jusqu'à 12h. On continuera un petit peu, du coup, Supermarket Simulator. Et puis après, on verra si on déborde sur d'autres jeux et tout ça. Sûrement dans la soirée, on fera des streams sur Seven Days to Die. J'espère que vous avez apprécié en tout cas, merci à vous pour votre participation. Du coup, comme je disais, on continue demain. N'hésitez pas à venir sur le Discord, de partager, discuter avec nous. Vous avez aussi la chaîne YouTube où je propose d'autres contenus, des fois des jeux similaires, etc. Donc voilà, je vous dis à tous une bonne soirée, force et honneur à tout le monde, bonne nuit à tout le monde.